Madame, monsieur, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce mercredi 29 janvier 2020. Bonne conduite des affaires de la nation, le roi de l'indénié félicite le chef de l'État. Peut-on lire à la une du journal Fraternité Matin. En effet, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 28 janvier 2020 avec sa majesté Nana Boa Kouassi III, roi de l'indénié au palais de la présidence de la République. Le roi de l'indénié était accompagné des chefs cantons et des membres de sa cour. Il a félicité le chef de l'État pour la bonne tenue du pays, le développement et la paix que la Côte d'Ivoire enregistre depuis son accession à la magistrature suprême. Plus de détails dans Fraternité Matin. Pourquoi la marche de l'Église catholique crée des remous au Vatican, titre le journal Le Jour Plus. Les trois actes des catholiques ivoiriens qui intriguent à découvrir dans Le Jour Plus. Le fondateur de GPS, Guillaume Soro, depuis Paris, cogne fort le régime. « J'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait pour Ouattara », affirme-t-il à la une du Nouveau Courrier. Ouattara n'a pas tenu ses promesses. Le pouvoir actuel est aux abois. Les symptômes d'une dérive autocratique s'accumulent. Retrouvez le compte rendu de la conférence de presse de Guillaume Soro dans le Nouveau Courrier. Le titrologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.